animateur, un métier formé... Non, non, pas celui-là. Celui avec les enfants qui chialent, qui braillent, qui se chamaillent, qui rient. Un métier enrichissant, important, où l'on apprend autant qu'on a à le faire. Et pourtant un métier mal considéré, mal payé, tout juste un job d'été facile d'accès, si on écoutait la majorité. Et ce métier est passionnant, voilà, c'est le mot, passion. Ça rime avec médiation, insertion, éducation, animation, pour pas un rond, et on te prend pour un con. Ce métier de passion, on l'exerce avec Bois 2 depuis 10 ans, et on en a vécu des moments, avec et grâce aux enfants. Salut, c'est Boisdin et Bois 2, bonjour. On est là pour vous parler d'une BD qui nous a particulièrement touché, ému, on peut dire ça, ému, et qui nous a rappelé un petit peu, comme l'intro a pu vous le dire, notre métier de cœur. Notre vrai métier, entre guillemets. Voilà, l'animation, animateur avec des enfants de tout âge. Et cette BD, c'est, vas-y, Done with the Kid. Mon accent anglais est formidable. Oui. Win, the yes, need the no to win. De Dave Godin. Dingue en verlan. C'est golerie. Et c'est aux éditions Roukemout. Aux éditions Roukemout, une maison d'édition qui a un concept participatif, comme on dit. Voilà, en fait, des auteurs vont les contacter, les contactent pour un projet de bande dessinée, ils acceptent ou non, et s'ils acceptent, il y a un projet de financement participatif qui est mis en place par la maison d'édition, qui va ensuite gérer l'impression, etc. Et ça permet de pouvoir contrôler les préventes, mais la BD, derrière, une fois que le projet est arrivé à 100%, voire plus, une fois que la BD est sortie, il n'y a pas que des exemplaires pour les gens qui ont participé au financement participatif, il y a aussi des exemplaires derrière pour ceux qui veulent simplement la commander après sa sortie. Très bonne explication. Bon travail. C'est une petite maison d'édition, voilà, pas très très connue, mais j'avais acheté il y a pas longtemps un album chez eux qui s'appelle Catalogue, qui parodie les notices IKEA. En fait, donc c'est magnifique dessin. Notices IKEA. Voilà, c'est fait avec des dessins de notices IKEA qui sont du coup parodiés, qui sont repris pour rajouter des bulles dessus et faire des petits gags. C'était marrant, j'ai bien rigolé, mais c'était assez inégal. Et ils m'ont contacté, ceux qui m'ont contacté pour cette bande dessinée, et ça tombe bien parce qu'on a été animateur et du coup. J'ai été curieux, donc j'ai dit « Ok, vas-y poto, Roukemout, envoie-moi ta BD », et voilà. Mais oui, parlons de l'auteur. Reparlons un peu de l'auteur, tout pour à fait. Pour savoir qui c'est et comment. Dave Godin, donc qui a dessiné cette BD, qui n'est pas du tout dans son style habituel. D'habitude, il a un style beaucoup plus noir, trash, parce qu'il a déjà été publié chez Arg, donc le magazine peut-être que vous connaissez, j'espère que vous connaissez ce magazine merveilleux, Arg, magazine qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui va renaître chez Glénat, qui publie des histoires plutôt trash, et c'est ce qu'il avait fait chez Arg, mais aussi chez Ankama, où il avait fait une BD au label 619, du coup son style va vachement bien avec le label 619, une BD sur des skinheads bretons tirés de faits réels, donc c'était pas pour les enfants de cœur. Et pendant que je parle, normalement, je vous ai mis des images de son style habituel, plutôt en noir et blanc, ou pour la couleur en numérique. Mais là, dans cette bande dessinée, vu que ça va parler de son métier d'animateur, mais il l'a déjà fait dans Colo Bray Dune, chez Delcourt. Ça parle aussi d'animation. Et bah là, le style est beaucoup plus mignon, beaucoup plus coloré, car et c'est donc, à l'aquarelle. Voilà. Pour parler de Done with the Kid, du coup, commençons par le style de dessin, justement. Voilà. Quand vous allez ouvrir la première page, vous allez sûrement faire comme nous et faire « Oh mon Dieu !» Qu'est-ce que c'est que ces images de cauchemar? Parce que si vous avez vu un peu le style de dessin, ça plus de l'aquarelle, ça fait des têtes de bonhomme très dérangeantes. Ça dénote. Réaliste, mais en même temps caricatural. Enfin, c'est bizarre à expliquer. Donc, comme tu dis, ça leur fait des têtes cauchemardesques, un petit peu horribles. Un peu comme des titans. Un peu comme les titans dans l'attaque des titans. Il y a un côté comme ça qui touche, ça. J'oserais dire, qui touche à la vallée dérangeante. Oui, c'est ça. La oui. fameuse vallée dérangeante. Mais au final, une fois cet a priori passé, une fois qu'on a lu quelques pages, Eh bien, ça coule, c'est bon. Ça passe tout seul. En plus, ça sert même le propos, parce qu'il va parler d'anecdotes avec des enfants, et même des enfants dont il se souvient particulièrement. Et il faut admettre que c'est des enfants, il le dit lui-même dans la préface, je crois, ou même dans une interview, qu'il s'attache pas mal aux enfants qui sont particuliers. Pas les enfants sages, quoi. Les enfants qui ont un petit quelque chose, qui ont une histoire, voilà, qui ont un caractère. Je t'aime, tu sais. Oh, je t'aime, Choco. Oh, je t'aime, Sinon.
je me retrouve dans ce caractère, moi aussi, les enfants un peu turbulents, un petit peu, qui ont envie de se la donner. Voilà, les enfants qui ont des problèmes chez eux. Les enfants difficiles. Qui viennent de foyers ou je sais quoi. Quand on travaille dans ce milieu, c'est les enfants qu'on retient le plus. Auxquels on s'attache le plus, finalement. Car les enfants trop sages, qui sont dans leur coin, qui t'obéissent tout le temps, bah c'est vachement bien pour eux, attention, GG à leurs parents, félicitations, mais c'est des enfants qui sont moins intéressants, on se souvient moins de leurs prénoms, ils font jamais de bêtises, voilà, ils sont là, et ils font ce qu'il faut faire, et voilà, c'est bien. Et tant mieux. Et comme Dave Gueudin s'attache aux enfants un petit peu difficiles, eh bien, dépeindre les enfants un petit peu comme des monstres, pas attention des monstres, mais attention, les enfants peuvent être horribles entre eux, ils sont parfois très horribles entre eux, on le sait, pire que les adultes, exactement, donc et ça fonctionne bien et en plus ça leur donne un caractère en plus. Oui, mais est-ce que c'est voulu de sa part ou juste parce que c'est son style de dessin, du coup ça marche, ça matche bien, mais est-ce que c'est voulu? Je sais pas, mais en tout cas moi je trouve que ça marche bien pour montrer le caractère des enfants et on les reconnaît bien, et on les identifie bien. De toute façon, on vous a mis des images, vous allez voir. Et son frère est aussi dessinateur d'ailleurs, voilà, et pas mal de temps d'ailleurs aussi avec lui. Enfin, ils ont dessiné ensemble souvent, ils ont collaboré sur des projets, voilà. C'est cool. Ça fait un point commun en plus avec nous, voilà, animateur, dessinateur. On a déjà collaboré sur des projets ? Non. Et du coup, mon cher Boisdeux, que faut-il retenir de cette bande dessinée ? Parce qu'on va pas... C'est compliqué d'expliquer le scénario parce que justement... Il n'y a pas de scénario, voilà. C'est découpé en plusieurs chapitres, enfin en plein de chapitres, de quelques pages à chaque fois, où il va raconter, à tel centre, à telle colonie, j'ai rencontré tel enfant, il fait un portrait de l'enfant, il raconte une anecdote avec cet enfant, et à la fin de, genre la troisième page, c'est déjà la fin, ce qu'il a retenu de cet enfant, et ce qu'il lui a appris. Est-ce que ça lui a apporté à lui et à l'enfant? Ça aussi, c'est pas que les enfants, c'est aussi lui. Donc c'est découpé comme ça à chaque fois, et aussi entre chaque chapitre où il y a une petite histoire comme ça, il y a des portraits d'enfants. En une page, voilà. Il y a, on vous en met un comme exemple. Voilà, un dessin de l'enfant avec à côté un texte qui résume son caractère et une anecdote sur lui. Voilà. Mais dans chaque histoire, on va voir un cas différent d'animateur, enfin d'un enfant difficile, que ce soit une insulte, un geste déplacé, le fait qu'un enfant se fait railler par les autres, on se moque de lui, et lui, comment il va réagir. Et lui-même, à chaque fin de chapitre, tire des leçons de ce qu'il a fait ou de comment il a agi, parce que en lisant la BD, vous verrez, il n'a pas forcément toujours la meilleure solution, voire même des fois c'est carrément déconseillé ce qu'il fait. Aujourd'hui en tout cas, parce que il a été animateur bien avant nous, je pense. Ouais, pour pas spoiler, à un moment il met une torgnole à un gosse. Voilà. Mais il précise juste après, c'est dans les premières pages, il met une tarte à un enfant, mais ça, il précise. Pas vous expliquer pourquoi on le fait plus. Il explique même que c'est l'une des rares fois où il l'a fait. Ouais. Mais ça veut dire qu'il ne se cache pas, il essaye ça. C'est ça qu'on voulait dire, c'est qu'il en tire des leçons, même des mauvaises choses qu'il a fait, et c'est très très bien. À un moment, il se moque d'un enfant un peu trop, il va un peu trop loin dans la moquerie, ouais. Parce qu'en fait, lui, sa méthode d'animation, et j'aime beaucoup, c'est un peu le mal par le mal. Enfin, si l'enfant, il fait son kéké, vas-y, je vais aller sur son terrain, et je vais lui montrer c'est qui le patron. Et souvent, ça fonctionne. C'est une méthode que j'ai déjà pu faire aussi. Que j'ai déjà fait aussi. Ça fonctionne assez régulièrement avec les petits caïds. Mais souvent, après, on s'en veut, parce qu'on n'a pas forcément... C'est pas forcément la meilleure méthode éthiquement parlant, mais généralement ça marche. Il veut apprendre la vraie vie aux enfants. Donc moi j'aime bien ça, toi aussi. Moi aussi j'aime bien ça. Et des fois donc il faut qu'il les bouscule un peu. D'ailleurs tu voulais parler d'un moment très marquant, parce que les enfants dans les centres aérés, même à l'école, les colos, etc. C'est pas que les enfants, et les animateurs le savent bien, les professeurs de maternelle, primaire et tout le savent aussi. C'est les parents, voilà. Surtout. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire, c'est... Il parle d'un enfant, il dit que c'est un connard, un petit con, machin truc, et que en voyant le père, parce qu'il allait le déposer à la colonie, qu'il lui donnait plein de conseils pour éduquer son fils, et qu'il avait toujours l'impression que les parents avaient pondu la septième merveille du monde, alors que leur enfant c'était juste un petit con. L'impression que sa mère a pondu à chier la dernière merveille du monde. Un truc comme ça, ouais. Un truc et bien, juste bien cette réplique-là, je l'ai trouvée très vraie et du coup très cinglante. Et parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui surprotègent leurs enfants et qui n'ont aucune considération pour notre métier, oui. Qui pensent qu'on est là, qu'on a le BAFA en claquant des doigts, ce qui est un peu vrai, mais mais qu'on sait pas s'occuper de leurs enfants, surtout qu'on a de l'expérience, parce que c'est un métier où il y a quand même des gens qui restent 2, 3, 4, 5, 6 ans, on finit c'est même par... C'est un métier où il y a une énorme courbe de progression.
C'est-à-dire que tu peux avoir ton BAFA facilement, mais de toute façon, au début, tu vas être démuni face aux enfants. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est au fil des années, en fait, que tu vas forcément avoir une courbe de progression et devenir meilleur. Et là, vous vous dites, oui, mais les animateurs, c'est tous des jeunes. En fait, non. C'est parce que souvent, les enfants vont, si vous êtes parents ou même enfants, vont au centre l'été, le plus souvent. Mais animateur, c'est aussi un métier qui se passe toute l'année, pendant les petites vacances, pendant les mercredis. Donc, il y a des gens qui travaillent là toute l'année. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent tous les mercredis. Et ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et l'été, il y a les stagiaires, souvent. Qui ont payé leur BAFA et qui doivent passer leur stage pratique. Et souvent, ces gens-là ne restent pas, en fait. Ils font de l'animation un mois ou deux dans leur vie. De temps en temps, pendant les vacances scolaires, voilà. Pour se faire de l'argent de poche. Mais les vrais animateurs, ceux qui sont là tout le temps, l'année, c'est les plus vieux. Et eux, ils ont de l'expérience, comme lui. Et souvent, les parents ont tendance à l'oublier et à penser qu'on est incapable, qu'on ne sait pas s'occuper des enfants et tout. Et ça, il en parle bien dans ce gag-là, justement. En disant que... Enfin, il regarde le père en souriant, en disant « Ouais, ouais, t'inquiète. » Et puis, dans sa tête, tu vois qu'il pense « T'inquiète, je vais lui apprendre la vie à ton gosse. » Là où cet auteur nous parle beaucoup aussi dans ses anecdotes, c'est que souvent, on le voit dessiner pour les enfants. Les enfants viennent le voir en disant « Ouais, je vois un Spider-Man qui rencontre la princesse des neiges !» Bon, il n'y avait pas la princesse des neiges à l'époque, mais... La princesse des neiges ? Ouais. Tu vas te faire huer. La princesse des neiges. Et les enfants, ils viennent lui demander des dessins comme ça, et comme il dessine bien, il le fait, et les enfants sont trop contents, et ils rentrent chez eux. Avec même des demandes tous farfelues. Hein, Ça, on a déjà, nous, beaucoup. Ouais. Et en plus, les enfants, d'ailleurs, s'améliorent en dessin. En tout cas, le fait de nous voir dessiner, et lui aussi, du coup, ça marche, vont dessiner aussi et devenir meilleurs, ou alors se trouver une petite vocation, même si c'est ne serait-ce que d'une semaine. En dessin, et c'est vachement bien. C'est ça qui m'a donné envie de faire les vidéos. Et après, ils nous donnent leurs dessins d'enfants. Dégueulasse, mais on leur dit que c'est magnifique. Et ils nous racontent des choses sur leurs dessins, là j'ai voulu faire ça, etc. Et tu vois que t'es un enfant, et ça a une imagination incroyable. Exactement. Il te montre un truc gribouillé, il va te dire, ah, c'est un dragon, en fait, il part sur Pluton, et il va récupérer la princesse, et après, ils sont... Bon, le mec, il a fait 4 traits et un point, mais au mais final... Lui, il est à fond dedans. Et quand on est dessinateur, justement, ça nous aide à voir ces petites qualités dans le dessin des enfants, et ça, il en parle, et ben voilà, ça m'a fait beaucoup penser à nous. Comme vous le voyez, on parle beaucoup aussi de notre expérience à travers cette bande dessinée parce qu'un bon média, un bon médium qui parle du métier d'animateur, il n'y en a pas beaucoup. Et on est content d'avoir trouvé celui-là parce que ça fait un moment, avec Bois 2, plusieurs années, qu'on se dit qu'on va faire une vidéo sur le métier d'animateur. On avait pensé à une BD il y a longtemps aussi. Ouais, justement. Et on n'a jamais eu le courage, le temps de le faire. Parce que des anecdotes rigolotes ou pas, ou des cas concrets intéressants sur l'animation, on en a tous les deux. Enfin, ça fait 10 ans, vous vous rendez compte, 10 ans qu'on est animateur, on en a plein. Ah, il y en aurait un fabuleux à vous raconter, Bois 2, sur une histoire d'abeilles et de guêpes. Ah, l'histoire des guêpes. Un jour, peut-être qu'on fera une vidéo. On fera une vidéo, dites-le en commentaire, ça nous intéresse. À se pisser dessus de rire. Exactement. Alors que c'était tragique. Alors que... Tragique comme histoire, horrible. Les pompiers et tout. Non mais ne me spoil pas. Donc que vous soyez animateur, curieux sur ce métier, parce que vous êtes parent, parce que vous-même vous avez été en centre. Oui, ça ce serait bien, ça, des parents qui disent ça. Ce serait pas mal. Ou alors même vous-même, il n'y a pas longtemps, parce que vous avez terminé l'adolescence, vous êtes de jeunes adultes, vous avez été au centre aéré il n'y a pas si longtemps que ça. Et que vous aviez une vision de vos animateurs, ou mono, comme on dit, mono. Les monos, et bien lisez cette BD, ça va vous ouvrir les yeux par rapport à ce métier. Voilà, c'est ça que c'est le plus important dans cette vidéo et dans cette BD. Merci beaucoup, Dave Guedin et les éditions Rougemout. Oui. Une édition pas connue, un auteur pas excessivement connu, qui fait un truc comme ça, et ben ça se souligne, ça s'achète, ça se commande, c'est très bien, c'est beau, on veut voir ça plus souvent. Lisez Done with the Kid, lisez des BD en général. Oui, et dites-nous dans les commentaires si jamais vous avez été animateur, ou si vous avez eu des animateurs. Ou si vous avez des anecdotes d'animateurs aussi. Racontez-nous, ça peut, voilà, vu qu'on a bien aimé ça, racontez-nous vos anecdotes. Parce qu'il y en a des belles souvent. Et si t'as déjà été enfant, mets un commentaire. Et manger des frites.